ça qui passait tout le monde. Alors aujourd'hui, nous connaissons que nous 17, demain à 18, fête drapeau, fête Haïti, fête drapeau nous. Hein. Et m'a profité de l'occasion ça pour me présenter nos 5 femmes qui étaient marquées, m'a dit qui marquées, qui fait nous dans l'histoire. Histoire d'Haïti. Donc toute information que je viens sorti de livre ça qui parlait de histoire d'Haïti de 1492 à 1697. D'ailleurs depuis on va commencer avec numéro 1, c'est Anna Kaona. Alors qu'est-ce que Anna Kaona? Anna Kaona d'ailleurs était bal sur nom qui était femme comme femme qui était pigou samba dans Caraïbes là pour qui ça parce qu'elle était maîtrisée danser très bien danse traditionnel yo très bien l'été on fit qui était doué pour poésie tout donc l'été artistique n'entend ça c'est samba yo te relo donc jusqu'à maintenant quoi samba toujours été bon bref m'a pas éloigné alors Anna Kaona qui est c'était première femme qui était commencé douter de bonne foi espagnol yo d'ailleurs c'est lui même qui était conseillé Maril Kaona pour t'al tan yo en embuscade on connait embuscade ça été tué à peu près 35 et espagnol et puis pita les rois espagnols qui au vando fin remarquer que c'est Anna Kaona qui était cerveau opération ça qui était faite qui était tué tout qui était tué en pile espagnol il était demandé Anna Kaona il était dit faut que Anna Kaona mouri donc il pas tué tout de suite même j'ai tué Recio Kaona bo et tout et mon indigène t'a pas assassiné hein il était dit Anna Kaona souvle vivre faut ta tourner concubine moi en bon créole faut ta tourner petite femme sous côté qui pas officiel là Anna Kaona dit hell no il dit non pas faire et yo touyé yo panmi jusqu'à maintenant yo pas jamais ka connait s'il était mort en 1503 ou en 1504 enfin bref chef chifio datio pas vraiment clair donc c'était ça Anna Kaona donc son femme que moi admirer en pile et son femme que l'aime vinn tande que non c'était pi gros samba m'vinn dit OK on croit Anna Kaona résider dans que toute femme haïtienne cap danser alors on a passé à numéro 2 à on a continué avec Suzanne Belair. Yo connais le surnom Sanité Belair qui c'était en fait il était un lieutenant dans l'armée révolutionnaire Toussaint Louverture là parce que il était joué un rôle actif dans la révolution Haïti il fait en 1781 et il mourit en 1802 ville il fait là c'est Verrettes mon quoi c'est la Tibonite pas menti et j'aime dire à femme ça va manger rien fret parce que il était défi français yo il pas paix en rien et d'ailleurs c'est pour ça dès pour mettre et Sanité de Belair ou à chercher peu importe que c'est sur Google il y a du toute saleté fait encore une fois pas vraiment des détails sur lui qu'est-ce qui maman qu'est-ce qui papa le juste parler de période que il t'ai fait dans la même pas même pas de période que il t'ai fait dans la mer juste d'où elle fait avec elle mouri mais leur fouiller ouais que il était lieutenant pour l'armée d'Haïti, l'armée tous ces d'ouverture là et que son femme qui était menée au combat quand même assez intense et contre français yo Livin mouri mais non toujours été la preuve m'a parlé de lui donc c'est ça Sanité de Belair Suzanne Belair ou plutôt Sanité de Belair Sanité Belair pour comme j'ai dit Sanité de Belair Sanité Belair. Alors on a continué avec Cécile Fatiman. Qu'est-ce que Cécile Fatiman? Cécile Fatiman son femme qui était faite sous bord République Dominicaine, qui était faite ses domaines avant de séparer il là en tout cas. Bon bref, avant de séparer il là, il était faite ses domaines et Cécile Fatiman c'est une femme d'après moi qui est importante en pile parce que c'est lui même qui était mettre cérémonie bois caïman qui était faite là. Oui, cérémonie bois caïman qui était faite là, on connaît pas paquet monde qui dit oh non, c'est les haïtiens dans vendre dans mieux. Non, c'est pas vrai. Cérémonie ça c'est un plan que esclave yo t'a établi pour te chasser français sous terre et Cécile lui-même était comme on t'a dit, il était un prêtresse vaudou. Oui, il était un mambo et il était moitié maman était esclave, papa c'était un roi corse. Et jusqu'à maintenant encore une fois c'est dommage parce que quand l'on cherche information sur Haïti information pas jamais trop clé donc papa c'est un corse ou à corse en fait le dernier et en plus et pour ça comme s'il était mulâtre ils sont mulâtres qu'il était et puis lui même qui était vraiment et en tête de cérémonie bois caïman dans le fond il t'a patronné
cérémonie wakayman. Et donc là, vous fini, vous trouvez un plan pour te chasser tout français yo, et bien sûr, vous avez fait fête là, vous avez dansé parce que tout le monde connaît haïtien mais danser haïtien mais pas plaisir. Donc c'est ça Cécile Fatimane. Et encore une fois m'a dit c'est dommage, bien dommage, m'pas ka jeune qui l'elle mouri, m'pas ka jeune qui l'elle t'ai fait tout. Oh, et tant moi yo dit yo parler de lui juste pour cérémonie bois caïman qui t'ai faite en 1791. Et après ça on pas parler de lui encore, on pas dit qu'elle t'ai faite, juste parler de papal qui était en rapport avec un man qui était esclave. Et bien sûr, il dit que l'été fait sous partie, il était fait Saint-Domingue. Donc c'est ça pour Cécile Fatimane. Je m'en dis non, c'est bien dommage, je pas même carré photo, pas même carré un et deux lits, mais c'est juste que me connais, c'est l'été vraiment patronné, c'était un prêtre zodou, puis c'est l'été patronné à cérémonie bois caïman. Donc c'est ça. Et m'a continué avec Dédé Basile et qui est défilé la folle. Alors Dédé Basile, c'est une femme qui était vraiment tête dans la, en fait, il pas en tête, il était quand même impliqué en pile dans la indigène là. Dédé Basile pour ça vienne bal non défilé la folle, c'est tout simplement parce que assassiné quoi trois frères avec deux petites devant, il vient traumatisé, tête la terre vient en chaud, donc il vienne bal non défilé la folle, et surtout parce qu'il était obsédé par Jean-Jacques Dessalines. Il était obsédé par Dessalines en pile, il était une admiration pour lui. D'ailleurs, les yo tué Dessalines, c'est lui-même qui était pour quoi, donc nous on tout été défiler la folle. Alors encore une fois, c'est des séries de femmes ça yo qui jouaient des séries de rôles importants, que ce soit dans la mais pas qu'à dire dans la mais indigène seulement, mais dans l'histoire d'Haïti. C'est dommage que vous pas parlé de ou même j'avais parlé de Dessalines, de Pétion, de Christophe Colomb. Bah, excusez-moi. Oh. Alors, on a continué, on a fini avec Denia et non, sa pipitia, Catherine Flon, la fille, en fait, petite et empereur Jean-Jacques Dessalines, sans femme ça, pas tap gen drapeau, sans femme ça, bref, pas tap gen. Alors, nan congrès à Kaya en 1803, elle coup de drapeau, elle était rachée blanc, elle était prend bleu et rouge là, elle était mettée l'union noire avec mulatio ensemble. Et oui, c'est ça. Donc, c'était tout. Alors, c'était tout pour moi. Moi, j'espère que vous avez aimé la rubrique là. Mais moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et pas hésiter à faire une suggestion. Toujours dire, mais pas que vous avez fait. À la fin des films, je vais parler pourquoi. Même toujours, gain courage. Parce que l'espoir fait vivre. Bon, je vais toujours répéter. Ok? Si pas, j'aime que vous avez quitté les commentaires. Je vais toujours répéter. Pas oublier pour nous bon pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ça. Et bien sûr, pas hésiter à partager tout. Et pas hésiter, j'aime dire là, si nous connons l'autre femme, mais même qu'on pas quête, mais faut vidéo a été fini. Mais choisis 5 saillots encore parce que c'était 5 saillots qui étaient participé activement dans la révolution haïtienne là, et c'était 5 saillots qui étaient important pour 18 mai an, vu que c'est fait drapeau m'a mettre en valeur. Et bien sûr, j'aime dire là toute information saillot moi joigne dans livre ça qui relait histoire d'Haïti et édition c'est Henri Deschamps. Donc son livre était porté pour moi sur Haïti, il parlait de histoire d'Haïti de 1492 à 1697. Mais moi tout le monde à l'école qu'on ouais parce que bon et au bail c'est livre d'histoire d'Haïti, donc dès qu'on prend cours histoire d'Haïti on va prendre tout ça qui a passé, tout président, tout ancien président, mais même des choses de parler de famille. Donc c'est ça. Alors, m'a dit nous bye, bon fête drapeau et à une prochaine fois. Bye bye.